Bonjour, je suis Mohamed Youssef, je suis artiste peintre, autodidacte. Et je commençais à l'âge de 15 ans. Je commençais parce que j'étais inspiré par l'art occidental. Normalement, parce que la peinture marocaine, il est 60 années. Et après, j'étais comme tous les peintres, j'aime beaucoup Picasso, Dali, beaucoup de Miro, etc. Et après, je arrête pour faire des recherches sur mon style personnel. Et après, je vais faire des recherches sur toutes les choses culturelles marocaines. Par exemple, toutes les choses qui sont dans les anciennes bijouteries, anciens tapis, des portes, des manuscrits. Et après, moi j'aime beaucoup le symbole, le signe et le symbole. Je pense qu'il est dans ma mémoire. Parce que quand je vois un symbole, j'ai tombé amoureux du symbole. Parce que le symbole, c'est ma langue. Parce que moi, je crée comme un écrivain, parce que mon travail, c'est un travail comme une histoire. Je fais des histoires, je travaille, parce que mon travail, je travaille la musique, la poésie, tu sais. Et chaque tableau, il y a une histoire, il y a une poésie, c'est la poésie. Et après, je cherche la peau. La peau, parce que la peau, c'est une matière noble, et très vivante et ancienne, parce que la peau c'est universel. Toute l'humanité, toutes les civilisations, ils sont travaillés sur la peau. Et le symbole, c'est universel, le signe. Pas de frontières, normalement. Toutes les civilisations, ils sont des symboles. Et c'est comme ça, moi, je choisis le symbole et le signe. Et je termine pas, parce que je vais faire toujours des recherches, toujours. Et je commençais pour une seule couleur, elle s'appelle le brou de noix. Et après, 20 ans, parce que j'ai commencé les années 80, et après, chaque fois je vais faire des recherches, et je commençais à la couleur. Parce que les couleurs, très chaud. Parce que le Maroc, c'est un pays de la lumière. Beaucoup de couleurs. Tu trouves les couleurs dans les abus, dans les rues, dans les, par exemple, dans l'artisanat marocain. Chaque fois, on voit des couleurs, tu sais. Et moi, je choisis même les couleurs, ils sont très chauds, très simples, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas... voilà. L'œuvre que je vais présenter à l'Institut du monde arabe, elle s'appelle Terre. Et c'est comme ça, je travaille cette année, parce que normalement le tableau c'est l'an 2012, et je pense à la Terre, parce que je pense à les problèmes de la Terre, le chauffement de la Terre, la pollution, beaucoup de choses, etc. Et c'est comme ça, je pense que je vais faire quelque chose. Je vais faire cette œuvre, parce que je suis artiste, peintre. Et je vais faire quelque chose comme les gens qui pensent à la Terre. Parce que la Terre, c'est nous. La Terre, pas de nation. La Terre, c'est toute l'humanité qui sont dans la Terre, toutes les nations, tous les pays qui sont dans la Terre, ça c'est le problème de nous. Tu sais, c'est comme ça que je pense à... Je fais ce tableau et j'explique à ma mémoire, tout ici dans ce tableau. C'est comme ça que je fais cette livre.